Le commerce de détail au Gabon, notamment dans les quartiers populaires et les marchés, est largement contrôlé par des commerçants étrangers depuis plusieurs années. Les Gabonais souhaitant se lancer dans le commerce se trouvent souvent désavantagés, faute de compétences suffisantes pour rivaliser efficacement. Réaliser que le fait d'être un boutiquier, c'est tout un métier à part entière, comme celui d'être un médecin. Bon, pourquoi nécessiter une formation pour un médecin et ne pas en faire une formation pour devenir boutiquier? Donc aujourd'hui, c'est la matérialisation du soutien du ministère de l'économie envers le projet Un Gabonais, une boutique. La première phase de cette matérialisation-là, c'est éventuellement le renforcement des capacités, les formations. Conscient de cette situation, le ministère de l'économie a mis sur pied un programme dédié à l'accompagnement des entrepreneurs locaux. Cette formation axée sur la gestion de boutiques couvre plusieurs aspects clés. Si je fais une formation en comptabilité, mais ça ne veut pas forcément dire que je serai spécialiste en fait, en faisant des comptes, dans la gestion aussi. Mais on a toujours besoin de se former. On a toujours besoin de se former parce que c'est important. Voilà. Et ici, on apprend. Déjà, c'est la première journée. Et on a appris. J'ai vraiment appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Donc, c'est vraiment essentiel et important de se former. Je pense qu'une formation est la bienvenue pour commencer à aider à changer les mentalités, à faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas forcément dépendre d'un salaire, qu'on n'ira pas tous à la fonction publique, mais qu'on peut combler le déficit en emploi, en créant son propre emploi, et ouvrir une boutique peut être le premier pas. Alors que le Gabon cherche à diversifier son économie et à renforcer l'autonomie de ses citoyens, cette formation s'inscrit comme une réponse concrète aux défis économiques actuels. En renforçant ainsi les capacités des Gabonais, ce programme contribue non seulement à leur émancipation économique, mais aussi à la création d'un tissu commercial plus résilient et dynamique.